2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia, face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La Brigade du Livre. Parmi ses membres, un seul ose encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Kilk. Cette histoire commence suite à un commentaire sous la vidéo des Topovores qui parlait de 5 livres vraiment bizarres. L'anonyme individu affirmait que lire, non, ça ne servait à rien. Et heureusement pour lui que la brigade n'était pas dans les parages. Je lis ça quand soudain, une réponse sauvage apparaît. Si tu n'as jamais lu, tu n'as pas la bonne culture, les jeux vidéo, les films, tout ça, c'est pas la vraie culture. Mec, calme-toi. On ne va pas tergiverser sur ce qui est une bonne ou une mauvaise culture, parce que sinon, on n'est pas couché. Ce que ces deux téméraires patibulaires oublient, c'est que la lecture est partout, omniprésente, et donc potentiellement, essentiellement divine. Et je m'en vais vous dire pourquoi dans cette 8e chronique de la Brigade du Livre. Nous en profiterons pour parler de 4 œuvres qui ne servent à rien, parce qu'elles parlent de bouquins. Premièrement, il faut savoir que la lecture est dépendante de l'écriture, puisque le lecteur est le destinataire d'un texte qui a été au préalable écrit. Et l'écriture n'est ni plus ni moins le fondement même de nos civilisations humaines. L'histoire, je le rappelle, commence avec l'invention de l'écriture autour de 4000 avant Jésus-Christ, laquelle permet, en opposition avec les traditions orales, d'étendre notre mémorisation douteuse hors de notre cerveau trop flemmard. Tiré de son contexte, ça fait un peu sale. Bon, après, c'est vrai que l'Odyssée d'Homère ou l'épopée de Gilgamesh ont survécu longtemps avant d'être couchés Enfin bref, on n'est pas sur une chaîne d'histoire. L'écriture, et donc la lecture, permettent de communiquer directement entre nous à travers l'espace et le temps. Mais un livre n'existe pas pour que son auteur en profite. Celui-ci n'a que très peu d'importance. Quand bien même il n'écrirait que par le biais de symboles, ça n'a pas d'importance. Un livre existe pour que toi, lecteur alouvi, tu en profites. Depuis le début de l'histoire, avec ou sans le grand H. Mais profiter de quoi? Et pourquoi? On y reviendra plus tard. Ce qu'il faut savoir en deuxièmement. Sans t'en rendre bien compte, tu avales des kilomètres de lignes de mots par jour. La lecture ne se limite pas à celle des grands volumes reliés de noir de la bibliothèque du CDI. Elle est présente partout. Que ce soit dans un journal, sur internet, sur ton téléphone, ou même tiens, dans ta série en VO, dans ton jeu vidéo, ou dans la pochette de ton dernier album. Toi qui dis ne pas lire, ou peu, ou pas beaucoup, tu en lis sûrement autant qu'un fan de SF ou de romans policiers qui en lit 3 par an. Mais tu lis différemment. Les supports de lecture changent avec le temps, la littérature évolue constamment, et c'est pas pour autant qu'elle disparaît ou que ses anciens formats ne servent plus à rien. Mais alors, à quoi sert-elle ? On y vient. Garde d'abord à l'esprit qu'il faut lire avec attention. Non pas comme en classe, en fouillant dans le texte à la recherche de figures de style et autres symboles obscurs et abscons auxquels l'auteur aurait inconsciemment pensé pour que tu te ramasses au bac de lettres, mais lire avec attention afin de comprendre les émotions que l'auteur a transmises entre ses lignes. Comprendre les vies autres que la tienne qui se jouent en quelques pages. Éprouver de l'empathie. Te poser les bonnes mindfucking questions pour t'enrichir des bonnes eureka solutions pour combler ta propre vie d'une manière qui te connectera aux autres plus précisément et plus intimement. Pour paraphraser Kadic, lire ajoute quelque chose à ta capacité d'affronter ta réalité, non pas en offrant des réponses toutes faites, mais en augmentant tes possibilités de compréhension, ne serait-ce qu'en te donnant une flexibilité d'esprit qui permettra de faire changer les choses. C'est ce que confirme aussi George Martin, vivre 1000 vies en un roman. Oui. En apprenant plus sur les personnages de nos romans, en voyageant avec eux dans notre imagination, nous devenons capables de mieux comprendre ceux qui nous entourent, ceux qui ont vécu avant nous, mais nous en apprenons aussi beaucoup plus sur nous-mêmes. Et que cette littérature soit celle de l'imaginaire ou celle blanche ou généraliste plus réaliste, c'est exactement la même chose, je parle ici d'ouverture d'esprit. Je parle aussi d'adopter un autre point de vue sur le monde pour le construire d'une meilleure manière, et se prémunir des erreurs de l'humanité déjà commises par le passé. Et cette compréhension, tu peux autant l'acquérir par les romans que par les jeux vidéo, les films, la musique, et j'en passe. Ces formats aussi passent d'abord par l'écriture et la lecture avant d'atteindre leur structure définitive. Comme je le disais, la lecture évolue, et lire, à l'heure actuelle où nous sommes hyper connectés, n'est plus forcément une activité solitaire et isolée du reste du monde, car nous lisons et communiquons en temps réel l'information que nous recevons. La lecture devient un partage, un échange, une interaction, il y a le texte, l'auteur et le lecteur. Le simple fait que tu sois là, posé derrière cet écran bleuté, en est l'exemple concret. La littérature évolue, et t'as plutôt intérêt à prendre le train en route, sinon elle te laissera sur le quai. Non, je déconne. Allez. Abonne-toi, accroche-toi, on t'embarque.
Les trois acteurs de la littérature sont interconnectés, tout comme les formats culturels que je citais il n'y a pas 3 secondes. Mais si tout en revient sans cesse à l'écriture, est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler d'œuvres non littéraires qui nous donneraient envie de découvrir des œuvres littéraires? Je veux dire des films, des séries ou des musiques qui nous donneraient envie de lire des livres dont ils ne sont pas les adaptations. Musique. En l'an 2000, le groupe de black metal britannique Cradle of Filth sort son 4e album, Midian, que je vous invite à découvrir pour la forme. Il est considéré comme étant, à l'oreille, le plus accessible de la discographie du groupe. Mais je te le répète, c'est du black metal, de l'aurore metal symphonique pour les puristes. Symphonique, mais du métal extrême quand même. Le groupe est un champion de l'intertextualité, car il n'hésite pas à s'inspirer du mythe de Cthulhu ou de celui de Faust pour ses propres locutions gutturales. Là, le nom de l'album, les paroles de plusieurs de ses titres, et surtout l'intro instrumentale, s'inspire du roman de Clive Barker, Cabal, publié en 90 par Albin Michel. On y lit la descente aux enfers de Boone, accusé du meurtre et de l'horrible mutilation de 12 personnes, de sa quête vers la cité fantôme et démesurée de Midian, et de sa fuite face à un tueur psychopathe. Ce bouquin est un régal, mais un régal à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est un thriller horrifique qui fonce à 200 à l'heure. Là où d'autres auteurs prendraient le temps de construire l'ambiance et le crescendo de la démence de leur personnage, Clive Barker ne s'encombre pas de tout ça et nous plonge directement dans la soupe. Un potage de Silent Hill et une pincée de Lovecraft, des chapitres courts et acérés comme des lames de rasoir, des petites touches du gothisme et du romantisme propres à Cradle of Filth, ce bouquin est un vrai page-turner, le coup de cœur immanquable de cette petite sélection. Série. Je te parle de True Detective, de la première saison sortie en 2014, dans laquelle apparaît des éléments fantastiques issus de l'univers littéraire dont Lovecraft s'est beaucoup inspiré, celui du Roi en jaune de Robert Chambers. Nick Pizzolatto, le créateur de la série, fait explicitement référence à ce livre et en reprend les éléments essentiels dans son intrigue, les étoiles noires, le signe jaune et la ville mythique de Carcosa. Tu remarqueras que je ne spoile rien. Le Roi en jaune est un recueil de nouvelles et de poèmes qui n'ont aucun lien entre eux, autre que l'existence de ce livre dans le livre, l'éponyme Roi en jaune. Une mystérieuse pièce de théâtre en 2 actes dont la seconde partie, si elle est lue, conduit son lecteur vers la folie. Et c'est en lisant Le Roi en jaune que l'on comprend les tenants et les aboutissants de la première saison, tellement que celle-ci aurait très bien pu être intégrée au recueil de nouvelles. Le thème de la folie, cette connexion surnaturelle entre les hommes marqués par son sceau, sous l'égide et le contrôle d'un être encore plus irrationnel, est présent dans les 2 œuvres. Les 2 se complètent à merveille pour former un petit bijou de la translittérature. Bande dessinée. C'est le 9e art qui nous apporte la plus grande œuvre intertextuelle que l'homme n'a jamais produite. Je parle de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, avec le fabuleux Alan Moore au scénario et Kevin O'Neill au dessin. Je ne présente plus Alan Moore auquel on doit Watchmen, From Hell, V pour Vendetta, entre autres Batman et Superman, et je ne mentionne que les titres comics. Je ne présente pas non plus la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Si, allez. Durant l'époque victorienne, une équipe aux membres exceptionnels, recrutée sous la houlette de Mina Murray, doit défendre la couronne d'Angleterre, que dis-je, le monde, contre une menace mortelle. Parmi eux, Alan Quatermain, personnage explorateur d'Henry Haggard, le docteur Henry Jekyll et son copain de chambre Mr. Hyde, le capitaine Nemo, pas le poisson mais l'écumeur des mers de Jules Verne, et Owley Griffin, l'homme invisible inventé par H.G. Wells. Mina Murray n'est autre que Mina Harker, qui participe avec son mari et Van Helsing à la chasse et la mise à mort de Dracula dans le roman de Bram Stoker. Oups. Les albums de cette série sont tout simplement impressionnants tant ils regorgent de références à des ouvrages littéraires de l'époque victorienne et suivante, au fur et à mesure que l'intrigue se décline. Les personnages littéraires sont présentés comme réels, et c'est honteusement plaisant d'observer l'histoire basculer petit à petit dans l'Uchronie au fil de leurs aventures. Cinéma. Le film Complot réalisé par Richard Donner en 1997 avec Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, pas au top de sa forme, mais pas encore en fauteuil, c'est l'histoire de Jerry, absolument convaincu que des théories du complot infestent le quotidien des Américains jusqu'au jour où il est réellement enlevé par une organisation secrète qui le torture mentalement. Il s'échappe mais perd dans l'entrefaite son exemplaire de l'attrape-cœur de Catcher in the Rye en anglais, écrit par Salinger en 1951. Et c'est en voulant absolument en recommander un dans une librairie qu'il se fait à nouveau repérer par la méchante organisation qui scrute par voie informatique toutes les commandes de ce livre. Alors me diras-tu, pourquoi Jerry tient tant à ce bouquin? Et bien pour ça il va falloir voir le film. Qui est bon, au passage. Il faut savoir que le livre a été retrouvé dans la chambre d'hôtel de l'homme qui tenta d'assassiner Ronald Reagan en 1981. Mais c'est aussi celui que tenait en main Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, l'ex-chanteur des Beatles, le soir du meurtre. Mais quel est le lien entre ces tueurs fous et Jerry, les théories du complot et le roman de Salinger?
Et que contient ce livre si poignant qu'il en perturbe la raison de ses horribileux possesseurs? L'histoire de Holden. En tout cas, les trois jours les plus marquants de sa vie. Trois jours d'errance entre le lycée et l'entrée dans la vie adulte. Holden ne comprend pas le monde qui l'entoure, et le monde autour de lui ne le comprend pas non plus. La communication semble rompue entre les deux, et à chaque rencontre, lesquelles ne sont en réalité que des confrontations, l'ado se sent de plus en plus seul. Et comme il ne communique pas avec le monde, eh bien Holden s'invente les raisons de pourquoi ce monde existe. Souvent, ce sont les mauvaises raisons. Et il finit par détester ce monde qui avance sans lui, au point de vouloir le détruire. Ou plutôt le stopper, l'immobiliser, pour ne pas grandir. La lecture, c'est aussi ça, comprendre ce qui nous entoure et en sortir grandi. Alors qu'est-ce que tu attends pour lire ? Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, le partager, le commenter. Hésite pas, sérieux. Merci au brigadier du livre Fuente Alba pour son aide dans cette chronique. Je vous annonce aussi que je serai présent aux premières rencontres numériques organisées par Brajlon dans leurs locaux à Paris. Je vous laisse l'adresse juste ici, plus d'informations dans les commentaires. N'hésitez pas à vous y rendre, j'y serai pour interviewer les auteurs qui y seront présents, mais aussi en tant que visiteur. Alors n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça fera très plaisir. Et à la prochaine! Une chasseuse. Ouais. Le capitaine m'envoie sur des missions de neutralisation. Je descends des types chelous qui représentent un danger pour la société. Ou je les fous en cellule. Quel genre de type chelou ? Le dernier se prenait pour Peter Pan. Et donc tu disais que le capitaine nous cachait encore des choses ? La nave, c'est pas toute l'affaire. Orion est impliqué. On lui dit rien. On marche à deux. Top là. Cours toujours.